Le 18 septembre 1967, dans un bar de Londres, la police anglaise arrête un jeune chef de gang des bas-fonds de Glasgow. La presse le surnomme Babyface, gueule d'ange. À 23 ans, Jimmy Boyle est alors considéré comme le criminel le plus dangereux et le plus recherché de toute l'Écosse. Trois mois plus tard, le tribunal de Glasgow le condamne à la réclusion à perpétuité. C'est en prison où il aura passé en tout 26 ans de sa vie avant de retrouver la liberté que Jimmy Boyle deviendra un écrivain et un sculpteur de renom.